Alors, on a vu comment l'inclinaison de la Terre était responsable des saisons. Donc, si je reprends ici le schéma de la Terre avec son axe de rotation, ici, qui présente un décalage par rapport à la perpendiculaire, cet angle est de 23,4 degrés. Et la Terre suit cet axe. Elle effectue sa rotation journalière autour de cet axe. Cet angle change, je l'avais expliqué, cet angle va changer avec une amplitude entre 22,1 degrés et 24,5 degrés. Et pour passer d'un extrême à l'autre puis revenir, c'est un cycle qui prend 41 000 ans. On estime que la dernière fois qu'on était à un maximum, c'était en 8700 avant Jésus-Christ, et que la prochaine fois qu'on sera à un minimum, ça sera en 11 800. Et donc cette inclinaison, qu'on appelle aussi obliquité, quelque chose d'oblique, c'est quelque chose de penché. Ça suit donc des cycles à très long terme, et ça a des effets justement sur les régulations de climat à long terme, les aires de glaciation, de fonte des glaces. Et ce cycle s'appelle cycle de Milankovitch. Milankovitch, qui est un scientifique serbe qui a décrit ces phénomènes. Alors, une nouvelle notion que je voudrais introduire, c'est la notion de précession. La précession, ça demande un peu un effort d'imagination pour comprendre ce que c'est. C'est-à-dire que la Terre, non seulement elle tourne sur son axe, elle a un axe penché qui varie légèrement, mais en plus cet axe va lui-même effectuer une rotation. Donc j'ai mis ici cette image qui, je trouve, illustre très bien. C'est-à-dire que si on associe la Terre à une toupie, la toupie, elle tourne sur elle-même, mais elle peut également osciller sur son axe et décrire de plus grands cercles indépendamment des rotations sur elle-même. Donc c'est ce balancement qu'on appelle précession. C'est-à-dire que la direction indiquée par cet axe d'inclinaison de la Terre va pointer vers une différente direction en fonction de ses rotations autour de cet axe de précession. Alors ce cycle de précession, c'est également quelque chose à très long terme. On estime à 27 000 ans le temps nécessaire pour que cet axe et fait un tour complet sur lui-même. Et donc, comment cela influence les saisons? Eh bien, si je reprends ici le schéma du Soleil avec la Terre en orbite autour, cette Terre positionnée ici avec son axe oblique, à une courte échelle de temps, c'est-à-dire au cours d'une même année, cet axe ne change pas. Il va toujours pointer dans la même direction. Mais maintenant, comme on connaît l'existence de cette précession, comment on peut essayer de visualiser ce qui va se passer au cours d'un long laps de temps. Au lieu de pointer vers cette direction de l'univers, il va effectuer cette rotation, et éventuellement, au cours du temps, bien que la Terre soit à la même position sur son orbite, son axe pointera vers une différente direction. C'est-à-dire que pour une même position par rapport au Soleil, si on dit qu'ici on était en hiver pour l'hémisphère nord, puisque la Terre pointe à l'écart du Soleil, donc ici on avait l'hiver au niveau de l'hémisphère nord, au bout de plusieurs milliers d'années, si la Terre maintenant a cette position-là, je la représente un petit peu décalée, mais faut aller toujours au même endroit de l'orbite, mais cette fois-ci penchée vers l'autre côté, et bien maintenant, cet axe oblique est en direction du Soleil. Et ça, on a vu que ça apportait l'été dans l'hémisphère nord. Donc, de la même manière que cette obliquité va conditionner les saisons, et bien lorsque cette obliquité change par le phénomène de précession, et bien ça va faire changer la synchronisation des saisons. Progressivement, il va y avoir un décalage pour une même position par rapport au Soleil. Au cours de 27 000 ans, et bien, ça ne sera plus la même saison. Donc tous ces cycles, à très long terme, combinés, que ce soit l'obliquité, donc avec le cycle de Milankovitch et la variation de cette obliquité, la précession qui fait varier l'orientation de cette obliquité, et éventuellement aussi ces 3% de différence dans l'ellipse autour du Soleil, tous ces phénomènes vont être combinés pour expliquer les changements climatiques, les lents changements climatiques qui animent la Terre au cours des millénaires.